Nous allons continuer notre enseignement sur vivre une vie glorieuse. La troisième partie. Vivre une vie glorieuse. Vous savez, il y a des messages qui vont t'aider à n'avoir aucun regret, tant sur la terre qu'au ciel. Et ce message en fait partie. Parce qu'il te permet de vivre sur terre selon les standards préconçus et préétablis par Dieu. Il te permet, ce message, de pouvoir te retrouver dans la pensée de Dieu et de vivre l'histoire qui est écrite à ton sujet. Car nous savons tous que Dieu nous a prédestinés à la gloire et que, en fait, le péché a été l'instrument par lequel le diable est passé pour voler la gloire qui était réservée aux hommes. Mais nous pouvons tous dire gloire à Dieu pour Jésus-Christ. Gloire à Dieu pour Jésus-Christ qui nous a délivrés pour nous restaurer. Chacun d'entre nous dans ce standard de vie. Nous avions défini la vie glorieuse comme étant une vie qui est éclatante de gloire. Ça, c'est la première définition, le premier jour. Le deuxième jour, nous avons encore défini la vie glorieuse comme étant une vie dans laquelle la manifestation de la gloire de Dieu est une évidence absolue. Une vie dans laquelle la manifestation de la gloire de Dieu est une évidence absolue. C'est-à-dire que tu ne parles pas en langue pour dire aux gens « je vis dans la gloire ». Mais c'est une évidence. Tu n'as même pas besoin de le dire, les gens le remarquent. Que cela soit ta portion cette année. Amen. Ton amen m'embête. Amen. Et nous avons la troisième définition ce matin. Une vie glorieuse, c'est une vie qui illustre la manifestation de la volonté parfaite de Dieu pour l'homme sur terre. Une vie qui illustre la manifestation de la volonté parfaite de Dieu pour l'homme sur terre. Oui, beaucoup de croyants mène une vie qui n'illustre pas la volonté parfaite de Dieu pour l'homme sur terre. Mais quand on vit dans la gloire, notre vie est donc une parfaite illustration, justement, de la volonté de Dieu sur terre. Et j'avais annoncé traiter avec vous sept paliers qui nous permettent, justement, de manifester cette vie glorieuse. Et le premier était connaître Dieu. Le deuxième, vivre une vie de foi. Après l'avoir connu par la nouvelle naissance, l'importance de mener une vie de foi. Ensuite, j'ai parlé de revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau créé selon Dieu. Et ce matin, j'annonce donc le quatrième palier qui est avoir une vie de prière et de jeûne. Avoir une vie de prière et de jeûne. Vous savez, sans le pouvoir de Dieu en l'homme, il lui sera impossible de manifester, de révéler la gloire de Dieu. Donc c'est le pouvoir que nous recevons de Dieu qui nous rend capables de manifester, de révéler justement la gloire de Dieu. Et la Bible dit dans Jean 1, verset 12, « à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, cette parole leur a donné le pouvoir. » Quelqu'un lève sa main et dit « j'ai un pouvoir. » Quelqu'un dit encore « j'ai un pouvoir. » Celui de devenir, qui t'a fait devenir enfant de Dieu. Donc il y a un pouvoir. Mais, suivez-moi attentivement, je peux avoir la dotation de mon pouvoir sans jamais l'utiliser. Je peux avoir une arme et ne pas l'utiliser. Peut-être parce que je ne sais même pas comment on l'utilise. La preuve, certains d'entre vous avaient des portables hors cri et ne connaissaient même pas quelles sont les fonctions. Vous utilisez simplement la fonction de l'appel, les autres c'est le farotage, juste pour vous montrer que vous avez un gros portable. Eh bien, avoir un pouvoir ne veut pas dire qu'on a l'aptitude de l'utiliser. Maintenant, nous avons aussi vu, et ça j'insiste encore là-dessus, que le pouvoir de Dieu
celui avec lequel il agit et celui qu'il nous délègue, parce qu'on verra bien la délégation de son pouvoir, agit sur deux facettes. La première, c'est le pouvoir absolu. Ce pouvoir absolu, c'est le pouvoir par lequel Dieu est capable de tout faire à partir de rien. Donc il ne s'appuie sur rien et il décide. Et puis paf, la chose arrive. Mais ça, c'est le pouvoir absolu. Ça, c'est la première facette du pouvoir. Et celui que nous aimons le plus, on veut voir Dieu relâcher sa gloire. On veut voir la puissance de Dieu se manifester. C'est fantastique. Mais il y a une autre facette du pouvoir qui, elle, est appelée le pouvoir ordonné. Et cette facette du pouvoir se manifeste ainsi. Dieu agit à partir des causes secondaires. Il agit à partir des causes secondaires. Là, c'est le pouvoir ordonné de Dieu. Donc, Dieu n'a jamais eu l'intention de régner sur terre. Non. Mais il a voulu que l'homme règne sur terre. Donc, l'homme a reçu de Dieu la dotation du pouvoir afin de régner sur terre. Parce que le règne sur terre est réservé aux humains. Dieu est le créateur de la terre. Donc, il n'a vraiment pas besoin de venir prouver quoi que ce soit sur la terre. Il a fait la terre pour que nous puissions y régner. Que cela soit ta portion. Amen. Que le règne soit ton partage. Amen. Celui qui dit encore amène quelque chose de spectaculaire est sur le point de lui arriver. Alléluia. Amen. C'est très important. D'accord? Maintenant, vous voyez, la prière va nous aider dans ce sens. Écoutez ce qu'ont dit certains généraux de Dieu que je respecte. John Bunyan a dit ceci. Celui qui fuit Dieu le matin ne le rencontrera pas le reste de la journée. Celui qui fuit Dieu le matin ne le rencontrera pas le reste de la journée. C'est-à-dire que si tu commences ta journée sans prier, n'attends pas voir Dieu le reste de la journée. Ensuite, dit El Moudi, a dit, celui qui s'agenouille le plus tiendra mieux que les autres debout. Celui qui s'agenouille le plus tiendra mieux que les autres debout. C'est-à-dire, ce qui te donnera de tenir ferme et d'être debout, c'est parce que tu as pris le temps, l'habitude de te mettre à genoux. Vous savez, le temps de prière est un temps extrêmement important. Et c'est dans ce sens que l'apôtre Paul, un extraordinaire homme de Dieu, a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, « Criez sans cesse ». Priez sans cesse. Notez cette phrase, elle vient de moi. Dieu a transféré une portion de son pouvoir à l'homme. Et c'est par la prière que nous le manifesterons. Dieu a délégué une partie de son pouvoir, transféré une partie de son pouvoir à l'homme. Et c'est par la prière que nous le manifesterons. En d'autres termes, si je veux utiliser le pouvoir que Dieu m'a donné, je dois apprendre à prier. Je dois apprendre à prier. C'est la prière qui me permet, justement, de manifester sa puissance. Voyez-vous, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Qui croit que c'est vrai, cette parole? Alléluia. Mais est-ce que vous savez qu'il y a plusieurs personnes parmi nous qui imposeront les mains aux malades, mais rien ne se passera? Est-ce que Dieu a menti? Non, mais parce qu'au préalable, il est important de comprendre que si vous n'avez pas pris le temps de régler certains problèmes dans le secret, ils vont rester non résolus publiquement. Si vous n'avez pas pris la peine de régler certains problèmes dans le secret, ils vont demeurer non résolus publiquement. Donc c'est dans le secret que nous obtenons des victoires. Un jour, j'ai été invité à prêcher l'évangile. J'étais jeune à l'époque, si mes souvenirs sont exacts. Je devais avoir 26 ans. Et j'ai été invité à prêcher l'évangile, c'était en Sierra Leone. Et il y avait ce jour-là beaucoup de missionnaires, y compris les missionnaires américains. Et donc j'ai prié, je passais le temps dans la prière. Comme c'est ma coutume d'ailleurs, quand je suis invité à prêcher l'évangile, je prie toujours. Je prie pour deux choses. Premièrement,
avoir le message que je dois enseigner, de Dieu être soutenu par Dieu qui m'avait enseigné. Donc c'est ainsi que j'ai enseigné sur la foi. Et à la fin de la réunion, il y a une dame, vous sentez au visage, quand vous enseignez, vous pouvez voir qui croit en ce que vous dites, qui ne croit pas, qui est fermé, qui est jaloux, qui ne l'est pas. Vous le voyez sur le visage. Et donc la dame était dans un esprit, je ne sais pas comment, et elle, il y a un fou qui était donc en train de se balader, comme dans cette salle, mais au fond, derrière. Et puis la réunion s'éteignait normalement. Elle est donc allée chercher le fou, et elle a amené le fou devant, là comme ça. Et elle dit donc à haute voix, « Si donc ce que tu as prêché est vrai, prie donc pour ce fou. » Voyez les gens qui disent, non, Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Non, en tous les cas, si quelqu'un est fou, c'est la volonté de Dieu. Donc, vous savez, donc, j'ai prêché un message qui allait contre tout ça. Le fou était là. Et donc, j'avais 26 ans. Je n'avais jamais prié pour quelqu'un de cette dimension de démence. Véritablement fou jusqu'à l'apparence. Et j'ai écouté Dieu pour raccourcir le témoignage. J'ai prié selon l'instruction du Saint-Esprit. La seconde après, les missionnaires sont venus faire les photos. Le fou a mis les mains comme ça. Il a dit, laisse-moi, comme ça. Et il dit, laissez-moi aller me laver. Laissez-moi aller m'habiller. Laissez-moi aller me changer. Vous ne pouvez pas me filmer dans cet état. Et le même jour, au même endroit, on l'a lavé, on l'a changé, on l'a rasé, on l'a filmé. C'est ce que la puissance est capable de faire. Voyez-vous, ce genre de pouvoir, nous pouvons le manifester. Dis, je peux le manifester. Non, dis-le encore, je peux le manifester. Et je vais le manifester. Dis, je vais le manifester. Alléluia. Amen. Donc, voyez, une vie de jeûne et de prière. Jésus lui-même disait à ses disciples, quand ils ont été confrontés à un cas chronique et difficile d'évacuation d'un démon dans la vie d'un individu, ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Donc le jeûne et la prière sont indispensables pour manifester un certain niveau de pouvoir. Un certain niveau de pouvoir. D'accord? Pour chacun d'entre nous. Vous voyez, quand Jésus a commencé son ministère, il a commencé le ministère par la prière et le jeûne. Et Jésus est notre modèle. Jésus était Dieu. Il a commencé son ministère par la prière et le jeûne. Vous ne pouvez rien bâtir de solide. Vous ne pouvez rien bâtir de durable sans la prière. Oubliez-le. Oubliez-le. Vous savez, vous êtes tellement occupé que vous vous dites, je n'ai pas le temps pour prier. Mais changez de paradigme. Dites-vous, j'ai tellement à faire qu'il me faut prier davantage. Ouais, ouais. Il me faut prier davantage. Parce que plus vous priez, plus vous avez l'énergie de Dieu pour faire ce à quoi il vous a mandaté. C'est important. D'accord? C'est très, très, très important. La prière nous donne la force de résister à la tentation. La prière nous rend capable d'être davantage conscient des réalités spirituelles. Vous savez, il y a des gens, bon, peut-être parce que j'ai le discernement de l'esprit aussi, quand je les vois, je peux savoir que telle personne est possédée. Je le sais que la personne est sous l'influence d'un démon. Je le sais. Qu'est-ce qui vous rend si sensible? C'est la prière. D'accord? C'est la prière. Vous voyez, le croyant qui ne prie pas aura des problèmes à régner dans la vie, aura des problèmes à vivre la plénitude de la volonté parfaite de Dieu pour lui. Donc, il aura des problèmes, des difficultés à vivre la gloire. Il n'y a pas de gloire sans prière. Vous devez apprendre à prier. Donc, je ne prie pas parce que je veux prier. N'oubliez pas que votre chair n'aimera pas la prière. Mais je prie parce que je dois prier. Et l'activité qui n'est pas prolifique, l'activité dans l'église que les gens aiment le moins, l'activité que les gens délaissent, c'est la prière. Les gens n'aiment pas prier. Dès que vous dites, on se réunit pour prier, les gens n'aiment pas la prière. Mais si vous dites que vous aimez Dieu et que la prière est un moyen de communion avec Dieu, comment pouvez-vous fuir la prière alors que vous aimez Dieu? Voyez-vous, il y a quelque chose de diabolique derrière ou de charnel que de ne pas aimer la prière. D'accord? C'est important de le comprendre. La prière va provoquer l'interférence de Dieu dans tes actions.
Encore, la prière va provoquer l'interférence de Dieu dans tes actions. Je me rappelle, j'ai été diagnostiqué d'avoir un cœur qui était anormal. Et donc, vous rappelez, je sortais de la Martinique, j'étais dans ma chambre d'hôtel à Martinique et mon cœur battait. Tic, tic. Je sentais que c'était anormal. J'entendais le diable me dire, si tu dors cette nuit, tu ne te réveilles pas le matin. Voyez-vous, tu te mets ton cœur, ta main, tu sens le poule, tac. Et puis ça dure après, tac. Donc le cœur était au parfait ralenti. Alors j'étais là. Le lendemain, il fallait prêcher. Donc si tu ne dors pas la nuit, tu es faible le lendemain. Je me suis remis entre les mains de Dieu. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas envie de mourir maintenant. Je suis en Martinique. Je suis venu prêcher l'évangile. Si je meurs ici, ce n'est pas très profitable pour le royaume. Garde-moi en bonne santé. Je me suis endormi. Mais même dans l'avion, quand je rentrais, c'était très très lent. Je suis allé voir les médecins. Ils m'ont dit, ok, je crois qu'ils ont appelé ça myocardie, quelque chose comme ça. Dire que le cœur ne bat pas normalement. J'ai vu le docteur, pasteur, docteur, j'ai dit, voilà le problème que j'ai. Elle m'a recommandé un spécialiste. Elle m'a dit, il faut qu'il te consulte. Je suis allé le voir. Et à la consultation, il m'a dit, je vais t'annoncer cette nouvelle, c'est pas si grave que ça. Il a commencé à me citer les noms des personnalités importantes qui portent un pacemaker. Il m'a dit, on devra te le mettre. Parce que ton cœur peut s'arrêter à n'importe quel moment. Il m'a dit non, dans tous les cas, même tu peux faire le sport, tu peux tout faire. Il m'a préparé psychologiquement à accepter le pacemaker. Et je suis rentré, j'ai dit non au pacemaker. J'ai dit non. Donc j'ai commencé à prier et j'ai demandé l'interférence de Dieu. Si je m'étais alarmé, j'aurais eu un pacemaker maintenant. Mais j'ai dit non, il faut que Dieu intervienne. Et j'étais sous ma douche. Je crois que c'est ce jour que Dieu a fait l'opération. J'ai levé mes mains vers le ciel. J'ai dit, papa, je prêche la parole de foi. Je devrais être la première personne à vivre la parole de foi. Je refuse le pacemaker parce que tu n'as pas changé. Si les voitures ont des pièces de rechange, à plus forte raison, toi, mon créateur, il y a un autre cœur que tu as pour moi. Et j'ai demandé que le Seigneur le remplace. Quand je suis reparti faire des analyses, le professeur en question était très surpris de ce que les choses avaient radicalement changé. Et le cœur était devenu davantage plus que normal. Le pouls serein. Qu'est-ce qui s'est passé? L'interférence divine. L'intrusion des anges dans la situation. Je me rappelle quand le professeur m'a posé la question. Il m'a dit, mais révérend, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je n'ai pas manqué l'occasion de le lui dire. Je lui ai dit, tu es en train de constater une intrusion divine. J'ai demandé à Dieu de se mêler de cette affaire. Je ne voulais plus le régler seul. Vous savez, quand une situation devient compliquée et que vous vous dites, ça commence à vous dépasser, transférez le problème entre les mains de Dieu. Transférez-le entre les mains de Dieu. Et la prière est donc le moyen par lequel vous transférez le problème à Dieu. Ce qui vous dépasse ne dépasse pas votre Père. Si le géant est trop géant pour les autres, il n'est pas plus grand que ton Père. Demande-toi à ton Père d'intervenir au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des Amen. Amen. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël. Ils ont regardé le géant. Et ils ont dit, on ne peut pas y aller. David a dit, dans tous les cas, il est trop géant pour que j'y aille moi-même. Je te combattrai au nom de l'Éternel. Il a donc transféré le problème entre les mains de Dieu. Tout, vous voyez, la prière vous permet donc d'agir dans cette dimension de foi. D'accord? C'est très important. Il faut prier. Dis à ton voisin, il est vital que tu pries. Voyez donc, parce pourquoi? Parce qu'une personne qui prie va développer la conscience de l'existence de Dieu. La conscience de Dieu. Je vois comment certains d'entre vous réagissez. Oh pasteur, voilà ce qui est arrivé. On m'a dit telle chose. Et puis la personne est déjà en larmes. J'ai dit, juste une information et puis tu pleures. Voyez-vous? Non, ce n'est pas l'attitude qu'on doit avoir. Je me rappelle une dame m'a appelé, pasteur, c'est fini pour ma fille. Ma fille est en train de faire 38 degrés de fièvre, elle va mourir. J'ai dit non, c'est toi qui vas la tuer. Ça a été ma réaction, j'ai dit c'est toi qui veux tuer ta fille. Ta fille ne va pas mourir. Mais tu es en train d'autoriser sa mort par tes paroles. Ce n'est pas parce que le médecin dit qu'elle peut, c'est chaud, et c'est grave que toi tu vas venir dire elle va mourir. Non, ce n'est pas toi qui l'as conçue. Même si tu l'as portée, tu n'as pas le droit de la tuer par tes paroles. Voyez-vous, nous ne nous rendons même pas compte. Mais puisque nous ne sommes pas habitués à prier, nous perdons la conscience de Dieu. Quand le problème se pose, on commence à paniquer. Qui va m'aider? Qui va faire ci? Qui va faire ça? Non, le premier réflexe pour un croyant, c'est d'abord Dieu. Amen. Je me suis rendu compte que chaque fois
que j'ai eu un problème et que j'ai voulu le régler humainement. Le problème n'a jamais été réglé. Il faut permettre à Dieu d'intervenir. Parce que quand Dieu intervient, les ennemis que tu vois ou tu voyais, tu ne les verras plus jamais. Donne-moi le meilleur de tes amens. Donne-moi encore le meilleur de tes amens. Voyez donc, c'est important. Et vous savez qu'en jeûnant et en priant, vous posez vous-même sur l'autel de Dieu comme un sacrifice parfait. Et si vous êtes posé sur l'autel ardent de Dieu, vous voyez, les asticots et toutes ces choses ne peuvent pas se poser sur vous. La consécration est impossible sans la prière. Impossible. Oubliez ça. Oh pasteur, non, je ne sais pas, non, oh, mais réclame, non, ce n'est pas tant qu'on te réclame, c'est que toi-même, tu n'aimes pas Dieu. Si tu aimais Dieu, tu prierais. Et en priant, la force te serait donnée, justement, de marcher avec Dieu. Maintenant, ma question est, comment donc prie une personne qui veut vivre une vie glorieuse? Comment elle prie? Comment cette personne prie? Vous savez, prier, tout le monde veut prier, mais tout le monde ne sait pas prier. Et vous savez pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne rient pas? C'est parce que beaucoup de personnes prient mal. J'ai vu des églises où les gens prient, les gens prient. Mais quand vous regardez la vie des gens, ils sont comme s'ils étaient à la frontière du Sahara. Tellement c'est chaud dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils prient mal. L'efficacité d'une prière, ce n'est pas sa longueur, ce n'est pas le volume de la voix, ce n'est pas combien est-ce qu'on se couche par terre, ce n'est pas combien on récite des versets bibliques. Non, ça n'a rien à voir. Mais ça commence par le fondement de la foi qu'on a à l'égard de celui à qui on adresse nos requêtes. Comment donc prier quand on veut voir la gloire de Dieu? Ça vous intéresse? Matthieu 6, versets 5 à 10. Regardons comment Jésus a enseigné la prière. Matthieu 6, versets 5 à 10. Notez ceci pour vous qui parlez français. Regardez ce qui est écrit, les trois premiers mots, lorsque vous priez. Vous voyez, chaque fois que vous lisez la Bible et que vous voyez lorsque, ça veut dire que Dieu est en train d'assumer que vous êtes supposé le faire régulièrement. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues, au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Oh, les gens qui aiment montrer qu'ils savent prier. J'avais un voisin comme ça quand je me suis converti. Vers 5 heures du matin, tu entendais ses prières. Et il priait finalement pour le quartier. Il avait des belles prières. Oh Dieu Tout-Puissant, toi créateur de l'ange Gabriel. Il priait à haute voix. Il était converti. Quelqu'un qui récitait beaucoup de versets bibliques, mais il était stérile. Parce que vous tombez sous le piège du m'as-tu vu. Vous menez votre vie chrétienne pour les autres et non pour Dieu. C'est un grand piège. Continuons. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Le caractère secret. Et prie ton père qui est dans le lieu secret. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, il sera exaucé. Les vaines paroles. Il y a beaucoup de personnes qui prient avec de vaines paroles. De vaines paroles. L'exemple de vaines paroles. Oh Seigneur, si tu me laisses là, qu'est-ce que je vais devenir? Ça, c'est de vaines paroles. C'est une perte de temps. Dieu a déjà dit qu'il ne va jamais t'abandonner. Comment tu vas dire si tu me laisses là, qu'est-ce que je vais devenir? Et tu penses que tu pries bien. Tu n'es pas en train de bien prier. Ça, c'est de vaines paroles. Continuons au verset suivant, verset 9. Je ne vais pas m'attarder dessus. J'ai tout un enseignement dessus. Vous pouvez le prendre. Ok, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Verset 10, que ton règne vienne. C'est là où je veux m'attarder, que ton règne vienne. Quelqu'un dit que ton règne vienne. Encore, que ton règne vienne. La troisième fois, le règne va s'approcher encore. Que ton règne vienne. Alors maintenant, suivez ce qui suit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme. Sur la terre comme. Sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas et nous ne devons pas souhaiter vivre un standard soit bas, soit élevé par rapport au standard que le ciel a préétabli pour nous. Ça veut dire que la sagesse divine, pour toute personne qui veut régner, c'est d'accepter ou voir la gloire de Dieu dans sa vie, c'est d'accepter de vivre selon les standards établis par Dieu.
Donc, aller à la quête de la volonté parfaite de Dieu. Ça, beaucoup de croyants ne savent pas le faire. Alors, nous croyons que par la prière, nous télécommandons Dieu. Oh Dieu, je suis en train de vouloir faire le commerce de la Tchéké. Viens bénir mon commerce. Bon, mais si tu amènes Dieu à faire tout ce que tu désires, qui est le leader? Non, je pose une question. Tu as fait quelque chose, tu dis, Dieu, viens bénir. Entre vous deux, qui est le chef de qui? Non, je vous pose une question. Tu fais quelque chose et puis tu dis, Dieu, viens bénir ça. Qui commande qui? C'est toi. Parce que tu imposes à Dieu d'être dans ce que tu fais. Alors que Dieu veut l'inverse. Il veut que toi, tu retrouves ce que lui, il veut que tu fasses. Et que tu lui demandes de t'accompagner, lui, dans ses voies, pas dans les tiennes. C'est pour ça qu'il dit, non ma volonté, mais la tienne. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. 1 Jean 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, on demande quelque chose selon sa volonté. Alors qu'est-ce qui se passe, verset 15? Il nous écoute. Et s'il nous écoute, quelque chose que nous demandons, je n'ai pas toujours aimé cette manière de décrire la Bible, là, ce passage, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc il dit que si Dieu nous écoute, alors que nous savons, nous avons l'assurance que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que nous avons l'assurance parce que nous l'avons déjà vu? Ou nous avons l'assurance parce que nous avons demandé? Non, répondez, parce qu'il faut que vous compreniez. L'assurance vient de quoi? De la requête ou du fait que j'ai été exaucé? Qui dit que l'assurance vient de la requête? Qui dit que l'assurance vient parce que j'ai vu l'exaucement? Ok, très bien, vous deux, vous êtes dans l'erreur. L'assurance ne vient pas de la requête. L'assurance vient du fait que la requête est basée sur la volonté de Dieu. Et donc je dis, si je suis sûr que ce que je demande, c'est quelque chose qu'il veut pour moi, alors à partir de ce moment, après avoir demandé, je peux déjà témoigner que je l'ai. Donc en d'autres termes, je n'attends pas de l'avoir pour croire que je l'ai eu, mais je crois que je l'ai eu avant de le voir. Ton amen m'embête. Est-ce que tu es avec moi? Donc c'est-à-dire quand tu pries, il faut croire avant de voir. La foi intervient dans la prière. Tu n'as pas besoin de voir pour croire. Par exemple, une jeune sœur prie pour un mari. Et puis, elle est certaine que c'est la saison. Tu peux organiser une fête chez toi et dire à tes copines, venez, je vais vous présenter mon fiancé. Et comme vous savez comment est-ce que les jeunes sœurs sont affairées, elles vont venir certainement pour voir à quoi est-ce qu'il ressemble. Alors tu organises la fête, tu mets une chaise pour lui et tu fais tout, tu dis, on demande, il arrive. Et puis tu organises la fête. Vous êtes content, vous chantez les cantiques. À la fin, tu tournes ce verset, tu dis aux sœurs, en fait j'ai passé la commande. Il est en train de venir. C'était, mais de toute façon, elles vont se moquer de toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais laissez-moi vous dire une chose. Si vous n'êtes pas prêt à faire les choses ridicules, vous ne serez pas prêt à voir le spectaculaire. Donc, c'est par la foi que ça marche. Dis à ton voisin, ça marche par la foi. Oh, ta manière de le dire, m'embête, dis-le encore, ça marche. Ça marche par la foi, oui. Donc, ce type de prière est basé sur la parole de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. Éphésiens 6, verset 18. Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Qu'est-ce que la Bible demande de faire? La Bible demande de faire quoi? De tout temps, par l'Esprit. Mais vous voyez, la Bible n'a pas dit en esprit, mais par l'Esprit. Entre par et en, il y a une différence. Si on disait en esprit, c'est en parlant en langue. Rekete, bababa, rokori, bababa. Non, mais la Bible dit par l'Esprit, toutes sortes de supplications. De prière et supplication. Veillez, on dit veillez.
à cela avec une entière persévérance. Ça veut dire qu'il faut faire un effort pour que ce soit régulier, que nous puissions continuellement nous assurer que nous prions selon la volonté de Dieu. Donc le Saint-Esprit te conduira toujours dans les voies de Dieu. Mais combien d'entre nous prions par l'Esprit? Imaginez le cas de Joseph. Joseph a une vision. Et les frères de Joseph interprètent la vision. Oh, ça veut dire quoi? Tu vas dire que tu vas régner sur nous? Donc Joseph sait déjà qu'il va régner, parce qu'on le lui a dit. Mais ses frères le vendent. Je ne sais pas comment est-ce qu'il prie. Oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait à mes frères? Je te donne ma vie, ne fais pas que je meure. On l'amène, il est dans la citerne fermée. On le transporte, il ne sait pas où il va. Il arrive dans une ville bruyante et il est en plein marché. Oh oui, tel notre tête, 10 cycles, 15 cycles, pam, à juger. On le vend, sauf que la personne qui l'achète s'appelle Potiphar. Il s'en va dans la maison de Potiphar, la prospérité l'accompagne. Et puis Joseph est béni. Chez Potiphar, il a tout. Je vous assure que si vous étiez dans la chambre de Joseph avant le début de la journée, il rend grâce à Dieu. Il chante, il danse parce qu'il est chez un boss. C'est un homme riche. Il est considéré. Il mange bien. De là où il venait à là, c'était extraordinaire. Sauf que Dieu avait quelque chose de meilleur. Dieu avait quelque chose de meilleur. Et le confort actuel de Joseph ne pouvait pas lui permettre d'atteindre le poste qui lui était réservé. Dieu va donc permettre qu'il y ait une incompréhension prophétique. La femme de Potiphar va tomber, c'est-à-dire elle sera amoureuse de Joseph. Et donc, elle va donc attendre que le mari soit parti. Et le mari lui avait dit, je te donne toute ma maison, mais sauf ma femme. La femme arrive, Joseph va donc fuir et il va laisser son vêtement. Vous savez, le temps me manque, mais faites attention aux vêtements que vous laissez. Parce qu'on peut ne pas être coupable et le vêtement plaide contre nous. Joseph, quand le mari arrive, la femme, dans sa comédie, se jette à ses pieds, chérie. Oh, va me tuer. Oh, va. Vous savez, quand vous avez une marade dans la maison, que elle a, et quand une femme veut faire partie quelqu'un de la maison, elle finira par le faire partie. Hein. Elle finira par le faire. Il y a des femmes qui cognent même la tête sur le mur. Elles se blessent. Chérie, oh, ils vont me tuer, ils vont me tuer. Alors qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il faut faire très attention. Les évidences qu'on te présente ne sont pas des preuves réelles. Et on prend Joseph. Imaginez Joseph. Joseph, on le prend, on l'amène en prison. Imaginez de Joseph de la maison en prison. Imaginez à quoi Joseph pense. Est-ce que Dieu est vrai? Est-ce que Dieu existe? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi moi? Mes frères m'ont vendu. Je suis arrivé ici, encore m'accuse. Joseph peut chercher une corde en prison pour se pendre. Vous dites non, Dieu n'existe pas. Sinon tout ça n'allait pas m'arriver. Non, 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 Dieu n'est pas. Et si vous avez donc Joseph en cette époque, oulala, les gens vont prophétiser, non? Mais ce n'était pas un problème satanique. C'était un problème divin. Ce n'était pas satanique. Joseph est arrivé en prison. Comment Joseph devait prier? Oh Seigneur, délivre-moi de la prison. Il allait faire cette prière 1000 ans. La prison était le tremplin. Donc Dieu ne pouvait pas changer l'histoire. Il fallait que le panetier et les chansons le rencontrent en prison. C'était le plan de Dieu pour l'amener chez Pharaon. Il est resté longtemps chez Potiphar. Potiphar ne pouvait pas vanter ses mérites sur quelqu'un d'autre parce que Potiphar voulait l'exploiter pour lui-même. Joseph n'était pas la solution de Potiphar, mais la solution pour l'Égypte. Donc il fallait qu'il quitte chez Potiphar pour la prison et que les personnes mieux introduites arrivent en prison prophétiquement et le rencontrent pour le recommander à l'endroit où on l'attendait.
Souvent, vous êtes dans un lieu de service, vous avez 500 000 francs de salaire, 1,5 million, et soudainement, il y a une crise. Vous commencez à dire, oh Seigneur, touche le cœur de mon patron, que je ne parte pas d'ici. Rabababa, pasteur, accorde-moi avec moi, on veut me chasser. Rababa. Non, le tout n'est pas de prier comme ça. Est-ce que tu es sûr que la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu pars? Est-ce que le problème qu'il y a dans l'entreprise, ce n'est pas Dieu qui est en train de dire à ton patron de ne plus t'aimer? Dieu peut tourner le cœur de ton patron contre toi. Pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il t'aime trop pour te laisser avec ce patron. Ton temps est arrivé d'aller ailleurs. Ton temps est arrivé d'aller à un autre niveau. Je parle prophétiquement à quelqu'un. On t'a chassé de l'entreprise et tu dis, je suis sans emploi. En fait, Dieu a fait de toi un créateur d'emploi. Et aussi longtemps que tu es dans l'entreprise, tu ne pourras jamais déployer ce que Dieu t'avait donné. Donc le problème arrive pour t'évacuer de la zone de confort et pour te propulser vers ta destinée. Mais combien de croyants ont la maturité spirituelle pour comprendre? Voyez-vous, combien de croyants ont la maturité spirituelle? C'est pourquoi vous voyez, quand vous voyez comment est-ce que les croyants gèrent leur vie, vous vous rendez compte que les gens ne coopèrent pas avec la sagesse divine. Vous voyez, ne regardez pas toujours à l'immédiat. Priez dans le sens du plan de Dieu qui est en marche pour vous. Jésus arrive à Gethsémané. C'est notre parfait exemple. Et puis, c'est difficile. Il doit aller à la croix. Mais la croix est le passage obligé. C'est la mission pour lui. Il doit y partir. C'est tellement dur qu'il prie. Il dit, Seigneur, si cela est possible, que cette coupe me soit ôtée. Alors ôte-la. Cependant, non ma volonté, mais la tienne. Il ne prie pas pour que la croix soit ôtée, mais il prie pour qu'il ait la force pour affronter la croix. Et après la prière, la Bible dit, un ange du Seigneur est venu le fortifier. Et il y a des moments où vous ne demandez pas au problème de disparaître, mais vous demandez d'avoir la force d'affronter le problème jusqu'au bout. Parce que derrière le problème se cache quelque chose d'extraordinaire en ce qui concerne ton élévation. Prenez la référence de Luc 22, 42 à 43. Voyez-vous, c'est très important de comprendre ça. Au nom du Seigneur est venu le secourir. Vous devez associer à la prière le jeûne. Matthieu 6, verset 17. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Il est écrit, mais quand tu jeûnes. Mais quand tu jeûnes. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Donc Dieu attend de nous que nous puissions jeûner souvent. Écoutez cette phrase que le Saint-Esprit m'a donnée. Associer le jeûne à la prière, c'est comme déployer l'arme atomique pendant la guerre. Associer le jeûne à la prière, c'est comme déployer l'arme atomique pendant la guerre. Les fracas dans le camp ennemi sont simplement incommensurables. Quand vous déployez l'arme du jeûne associée à la prière, c'est extraordinaire. Parce que par le jeûne, vous mettez une réelle rupture entre le vieil homme et l'homme nouveau créé selon Dieu. Il y a rupture. Ceux qui jeûnent, vous vous rendez compte, vous avez l'impression que c'est un nouvel habitant qui a pris possession de vos membres. Oui, le vieil homme n'a plus d'emprise. Il lâche emprise et l'homme nouveau prend le contrôle de votre destinée. D'accord? C'est important. Ça, c'est par le jeûne. Le jeûne permet de marcher dans la puissance de Dieu. Luc 4, versets 1 à 2. Le cas de Jésus dont on a évoqué au départ. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain où il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert. D'accord? Par l'Esprit dans le désert. Et la Bible dit, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ce jour-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Donc vous voyez, qui a conduit Jésus dans le désert? Qui l'a conduit? Le Saint-Esprit. Donc ne pensez pas que le jeûne est une punition divine, non. C'est pas une punition. Le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert. Il a fait 40 jours sans manger.
Et après les 40 jours, il eut faim. J'ai deux exemples pour parler un peu de la puissance du jeûne. Ou alors l'intrigue que les gens ont aussi par rapport à ça. J'étais aux États-Unis, je me rappelle toujours de cette disant, je devais être 18e, 19e jour de jeûne, parce que j'avais l'habitude de beaucoup jeûner, plus que maintenant même d'ailleurs. Et nous sommes allés, on nous a dit qu'il y avait une consultation gratuite, on allait faire examen de sang. Je suis parti, et donc les médecins faisaient une consultation chez Oral Robert, faisaient une consultation pour le sang. Donc on a fait la consultation, il m'a regardé, il m'a demandé, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu as si amaigri? Je lui ai dit non, je suis en train de jeûner. Il dit, ah, il dit, tu es au 40e jour. Quand j'ai dit 19e jour, il a failli s'écrouler. Il m'a dit, comment? Il dit, tu manges le soir? J'ai dit non. Il dit, tu ne manges pas du tout? J'ai dit non. Il m'a regardé. Il était vraiment paniqué. Il m'a dit, mais tu peux mourir. Je lui ai dit non, je ne peux pas mourir. Jésus avait jeûné 40 jours. Je ne vais pas mourir. Si je prends cette illusion, je ne mourrai pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Un autre jour, on avait une campagne d'évangélisation à Adjamé. J'avais été invité par l'église méthodiste. Ah, Adjamé faisait une évangélisation. Et donc, j'étais en jeûne. J'avais accepté l'invitation, mais Dieu m'a poussé par l'esprit pour aller dans un moment de jeûne. Et j'étais au 14e jour de jeûne quand le soir, je devais aller évangéliser. Et donc, pour partir le soir, j'ai pris des fruits, quelques fruits, et je suis parti. Je me rappelle, j'avais porté un boubou blanc ce jour-là. J'ai ouvert la bouche et j'ai commencé à parler. Après 10 minutes, il n'y avait personne qui était encore en train de m'écouter. Tout le monde était par terre. La puissance de Dieu était tellement forte. Je parlais de Jésus et le chemin, la vérité et la vie. Quand je commence à parler de la vérité, à la 8e minute, 10e minute par là, les gens ont commencé à s'écrouler dans la salle et on a arrêté le programme pour commencer seulement à prier pour les personnes. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un moment en jeûne, vous dégagez une très grande puissance, vous avez une autorité forte. Et c'est pourquoi la force même qu'il y a dans la vie, qu'un homme de Dieu dégage par ses messages, dépend de la qualité de la vie qu'il mène devant le trône de Dieu. Donc c'est très important. Si on veut voir la puissance de Dieu, il est important de jeûner. Regardez le verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. C'est après le jeûne qu'il a été revêtu de la puissance de l'Esprit. Quels sont ceux parmi vous qui veulent la puissance? Amen. Quels sont ceux qui veulent la puissance? Jeûnez souvent. Vous allez manifester une plus grande puissance. Et la puissance, ce n'est pas seulement pour chasser les démons. La puissance peut vous accompagner dans tous les territoires de votre appel. Recevez cette grâce au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Et au verset 20, ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue. Oh, j'aime cette phrase. Avaient les regards fixés sur lui. Vous voyez, j'ai vu des gens enseigner, mais c'est ça qu'on appelle enseigner avec autorité. Vous voyez, quand Jésus enseignait, les gens le regardaient. Vous avez des gens qu'on enseigne, ils dorment. Quand vous n'avez pas d'autorité, vous voyez, et que vous commencez à enseigner, vous allez vous rendre compte que les gens vont être distraits, les gens peuvent dormir, mais quand vous dégagez une force d'autorité, si vraiment la personne dort, c'est un cas de possession. Oh ouais. Parce que l'un des signes qu'on est possédé par des esprits méchants, c'est qu'on dort quand la parole est dispensée. Parce qu'ils commencent à te pousser. Ils ne veulent pas que tu entendes. Donc ils te font dormir. Regarde ton voisin. Quand nous jeûnons, notre vie attire l'attention des autres. Je déclare que tu ne vivras pas caché au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Ta vie attirera l'attention des autres. On aura les regards sur toi pour écouter ce que tu fais, pour admirer ce que tu fais. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Ton amen ne me convient pas, dis le bien. Alléluia. Donc c'est très important. Quand nous prions et quand nous jeûnons, nous manifestons l'omnipotence de Dieu. Une portion de son omnipotence. Alors nous devenons des personnes capables de faire des choses extraordinaires. J'étais en train de méditer hier soir, je lisais la Bible, et puis Dieu m'a dit cette phrase que j'ai vraiment aimée, là où il n'y a pas de miracle, je suis absent. Là où il n'y a pas de miracle, je suis absent. Vous ne pouvez pas rencontrer Dieu quelque part sans qu'il ne se passe de miracle. Même ce matin, pendant que vous êtes en train d'écouter, des miracles sont en train de prendre place. Je suis sérieux, là où il n'y a pas de miracle, Dieu est absent.
Amen. C'est pour ça qu'on aura toujours les témoignages sur cet autel. Parce que Dieu est dans cet endroit. Alléluia. Maintenant, après avoir prié et après avoir jeûné, le point numéro 5, il faut marcher par l'esprit. Il faut marcher par l'esprit. Et pour marcher par le Saint-Esprit, il faut pouvoir l'écouter et lui obéir. Écoutez, obéis, écoutez, obéis, écoutez, obéis, écoutez, obéis. Je vous donne la clé en or pour une vie resplendissante. Écoutez, obéis, écoutez, obéis. D'accord? Écoutez et obéis. Quels sont ceux qui veulent écouter et obéir? Alléluia. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mes frères et sœurs, même si Dieu ne change pas dans son caractère, il est totalement changeant dans ses stratégies. Dans l'écoute de la voix de Dieu vous aidera pleinement, pleinement. Écoute Dieu. Ce qui a marché hier ne marchera pas forcément aujourd'hui. Il est important d'écouter Dieu. Écoutez-le. Comment est-ce qu'on écoute Dieu? On l'écoute par le Saint-Esprit. Hélas, il y a beaucoup de croyants qui ne savent même pas écouter la voix de Jésus. Quels sont ceux parmi vous qui aiment Jésus? Lève ta main si tu l'aimes. Ouais, mais si tu l'aimes, tu dois écouter sa voix. Jean 10, verset 27, il est écrit, « Mes brebis entendent ma voix. » Mes brebis entendent ma voix. Lève ta main et dis, « J'entends la voix de Jésus. » Dis-le encore, « J'entends la voix de Jésus. » Dis-le encore, « J'entends la voix de Jésus. » Alléluia. C'est une promesse que chacun doit saisir par la foi. J'entends la voix de Jésus. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Jésus nous parle encore aujourd'hui. Mais il nous parle par le Saint-Esprit. Jean 16, verset 12 à 14. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. En d'autres termes, le Saint-Esprit est le porte-parole de Jésus. Parce qu'il prend ce qui est à Jésus et il vous l'annonce. Donc le croyant qui dit « Jésus m'a parlé » est aussi en train de dire « Le Saint-Esprit m'a parlé » parce que le Saint-Esprit prend ce qui est à Jésus et il te l'annonce. Oh, que la vérité te soit communiquée. Que Dieu t'annonce ce qu'il a réservé pour ta vie. Que Dieu t'annonce les plans parfaits pour ta destinée. Afin que tu ne marches pas et ne cours pas comme battant de l'air. Que cela ne soit point ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de te conduire dans toute la vérité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, laissez-moi vous dire ceci avec une pleine insistance. Même vous-même, vous ne vous connaissez pas assez. Vous avez besoin du Saint-Esprit pour vous révéler qui vous êtes. Et priez vous-même et dites, Dieu, révèle-moi qui je suis en toi. Faites-le sincèrement. Le Saint-Esprit vous dira. Moi, je me suis déjà vu dans des dimensions que je n'ai pas encore vues. Et c'est pourquoi je sais que je ne vais pas mourir maintenant. Il y a des choses de moi que j'ai vues que je n'ai pas encore vues. J'ai vu des choses que le Saint-Esprit m'a montrées quand j'ai commencé à faire cette prière que je n'ai pas encore vue. Il faut demander à Dieu de te montrer qui tu es. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne se prennent pas au sérieux parce qu'ils ne se connaissent pas. Quelqu'un qui, à l'âge de 15 ans, sait qu'il est un futur président, vous allez voir qu'il fera plus attention à lui et à comment les présidents se comportent parce qu'il est informé depuis 15 ans. Il faut avoir la révélation de qui tu es.
Notre société nous a tellement vilipendés, tellement amenés à nous traiter sans considération. Et la religion vient encore nous dire, oui, tu n'es rien. Non, tu ne peux pas dire que tu n'es rien. Te dévaloriser est une grave erreur, une grave erreur. Tu ne peux pas être créé à l'image de Dieu et dire que tu es sans valeur. Ce n'est pas possible. Mais demande au Saint-Esprit de te révéler qui tu es. Si tu ne sais pas qui tu es, comment peux-tu, écoute-moi très bien, oh mon Dieu, permets que cette vérité soit comprise aisément. Vous savez, deux personnes sont assises dans la salle. Les deux parlent en langue. Les deux sont en pratiquement le même âge. Les deux peuvent se marier. Mais si les deux ne savent pas qui ils sont, ce mariage ne peut pas tenir longtemps. Ou alors ils auront trop de problèmes. Vous savez pourquoi? Parce que même s'ils sont frères et sœurs en Christ, ils ne sont pas tous amenés à se marier. Parce qu'il y a des combinaisons qui ne marchent pas. Si vous êtes appelé à prêcher l'évangile et que vous récupérez une dame qui a une certaine âme, vous allez subir une oppression diabolique à la maison. Ce n'est pas toutes les femmes que les pasteurs épousent. Maintenant, si tu es homme d'affaires, il y a un type de femme pour les hommes d'affaires. Vous voyez, toi aussi, selon l'appel que tu as, tu ne peux pas sentir un appel de Dieu sur ta vie et tu t'en vas épouser un gars qui prie en cognant la tête par-dessus le sol. Dans tous les cas, Dieu m'a fait grâce. Ça, ce n'est pas une grâce. C'est une conduite en insensé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu dois rencontrer quelqu'un qui peut coller à ta personne selon ton appel. C'est très important. C'est pourquoi il faut prier pour savoir qui vous êtes. Qui suis-je véritablement? Qui suis-je? Et prier une prière de temps, demandez à Dieu. Je demande à certains d'entre vous, priez et demandez, qui est mon pasteur? Certains d'entre vous, vous ne me connaissez pas. Vous me regardez, c'est un gars qui a 1m77, c'est un gars qui a une belle gueule comme celle de David et de Jésus. Ça n'a rien à voir, mais il faut aller dans le monde spirituel pour savoir qui je suis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous devez connaître les gens spirituellement parlant. Le Saint-Esprit vous y aidera. Apprenez à connaître les gens par l'Esprit. On ne connaît plus personne selon la chair. Que le Saint-Esprit vous aide. Chacun d'entre vous. Ne soyez pas pressés. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous savez, vous pouvez rencontrer quelqu'un aujourd'hui qui a des milliards. Il est abondamment riche. Et comme vous êtes une femme normale selon les normes de la société, vous vous dites, donc il me faut un gars qui a du blé. C'est lui, master, c'est lui, alléluia. Je m'arrête, vous êtes emporté. On ne sait pas si c'est par l'homme ou c'est par le blé de l'homme. Dans tous les cas, vous êtes emballé. À partir de ce moment, le Saint-Esprit ne sait plus quoi faire. Parce que toi-même, tu as déjà dit, c'est ce que je veux, Seigneur, ne me fais plus connaître ta volonté. C'est lui, papa. Papa, s'il te plaît, c'est lui. Le domaine dans lequel vous voyez les gens devenir hautement charnels, même quand ils sont très spirituels, c'est celui du mariage. Oh, Dieu m'a dit, alléluia. Si maintenant je dis, recevez l'onction du mariage, il y a quand même, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est quelque chose qu'on attend. Ça, en fait, j'ai un problème, j'ai l'impression, pasteur, que la question du mariage dans l'église est devenue plus importante que Jésus. C'est devenu plus important que Jésus. Dès qu'on le dit, les émotions. Alléluia. Amen. Vous voyez, et les gens sont là, ils respirent. Amen. Alléluia. Mais quand tu es déjà engagé comme ça, le Saint-Esprit se tait. Il connaît toute la vérité. Tu peux voir quelqu'un de très riche aujourd'hui, il sera très pauvre demain. Quelqu'un de très pauvre aujourd'hui sera très riche demain. Seul le Saint-Esprit connaît les gens. Je disais à mes pasteurs, je le dis publiquement, faites attention aux gens que vous rencontrez dans le présent. Dieu vous cache des choses que seul le futur vous révélera. J'ai appris une chose, valorisez les gens.
même quand ils ont une apparence qui n'en est pas digne. C'est un investissement sérieux. Parce que Dieu a une élégance incroyable de vous cacher le futur des gens et de vous les amener en une apparence faible. Vous ne savez pas qui ils sont et vous les méprisez. Mais vous êtes passé à côté de votre futur. Parce que la personne pouvait prendre son bic demain et faire de toi le ministre des Finances de la Côte d'Ivoire. Mais quand il était à pied, tu l'as fait comme si tu ne le connaissais pas. Et il n'a pas oublié. Parce qu'au temps de la galère, tout ce qu'on subit comme outrage et comme oppression reste gravé. Mais il y a quelqu'un qui a eu pitié de lui quand il pleuvait, il s'est arrêté, il a dit, frère, tu vas à l'église, est-ce que je peux te prendre? Et ce jour-là, il avait prié, Dieu est venu comme mon ange. 10 ans plus tard, c'est ton enfant qui a besoin d'une bourse et c'est lui qui doit signer. Vous voyez? Et vous savez l'histoire. C'est pour ça qu'il est important de faire très attention. Vous ne savez pas qui vous côtoyez. Vous ne savez pas qui vous côtoyez. Certains d'entre vous, vous êtes là, vous me saluez, vous me saluez. Vous ne savez pas qui vous saluez. Il y a des jours où vous saluez ma mère, c'est ton ange de Dieu qui est là en train de vous saluer. Souvent, c'est une grâce de Dieu qui vous a communiqué. Vous ne savez pas qui vous saluez. Les personnes qui vous sont assis. Peut-être le gars que Dieu a réservé pour l'église de 100 000 membres à Abidjan est assis parmi vous. Il n'est même pas dans le bord de l'assemblée, mais il est là. Vous ne le connaissez pas. Des ministres sont ici, les directeurs généraux sont ici, les chefs d'entreprise sont ici. Mais vous ne les connaissez pas, mais le Saint-Esprit conduira dans toute la vérité. C'est pourquoi être charnel est toujours un désavantage. C'est toujours un désavantage. Oh, je vois un gars dire à la sœur, tu as entendu ce que le pasteur a dit? Ne me méprise pas, oui, mais donne quand même des signes. Hein? Donne quand même des signes, mon frère, donne des signes. Hein, donne des signes. Même quand le noyau de l'avocat est encore noyau, on voit quand même le noyau. Tu ne peux même imaginer, il y a quand même une trace qui montre que tu vas quelque part. Il ne faut pas venir embrouiller la sœur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dans tous les cas, si tu n'as pas encore porté des fruits, au moins que je vois tes fleurs. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Quelqu'un dit un bon amen. Quelqu'un dit un très bon amen. Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu? Est-ce que tu veux toujours la voir? Écoute-moi attentivement. Vous savez, les gens qui ne sont pas mariés, souvent c'est souvent un bonheur aussi. Hein? Quand Adam était seul, il n'a pas eu de problème. Vous savez, il y a des jeunes qui disent, oui, quand je vais être marié, je vais avoir l'onction. Si l'onction n'a pas commencé célibataire, tu n'auras plus l'onction. C'est terminé. Si l'onction n'a pas commencé célibataire, marié même, ça va partir. Parce qu'on dit que celui qui est marié se préoccupe des choses de comment plaire à sa femme. Celui qui n'est pas marié se préoccupe du Seigneur. Toi, tu n'es pas marié et toute ta préoccupation, c'est chercher femme. Tu vas aller nulle part. Nulle part. Dieu ne peut plus te donner les jeunes de 40 jours. Ça va être compliqué. Parce que ta femme est là. Tu vas faire comment? 21 jours, tout ça. Ça devient compliqué. Et entre-temps, tu ne t'en sors pas. Donc à la fin du mois, il faut calculer les jeunes pour tomber, pour régler les questions de loyer. C'est un peu plus compliqué. Et il y a encore ta femme qu'il faut nourrir. Et si c'est une femme, comme Isabelle, c'est compliqué. Je déclare que tu n'auras pas ce genre de femme. Au nom suprême de Jésus, je déclare que tu n'es pas Jézabel. Oh, tu es une fille de Sarah. Donne-moi le meilleur des amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut voir la gloire de Dieu? Hey, qui veut voir la gloire de Dieu? Amen. Alors, il faut écouter le Saint-Esprit. Et pour cela, suivez-moi bien, fais attention à ces 4 voix. Premièrement, la voix de ton époux, de ton conjoint. Chacun regarde sa femme, chacun regarde son chacun. Amen. La Bible dit, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Ouh, une calamité. Écoutez la voix de ta femme. Souvent, mais pas tout le temps. Honnêtement, souvent, mais pas tout le temps. Il faut savoir te tenir sur ce que Dieu t'a dit. Parce que ce que Dieu te dit, ta femme peut ne pas l'aimer.
Si tu es donc un gars qui est là, a subi l'influence faciale de ta femme, qui peut savoir te manipuler en jouant les fâchés, souris simplement et loue le Seigneur. Alléluia. On va rester dans la volonté parfaite de Dieu. Que ton visage ait au nord ou au sud, on finira par aller tous au ciel. Alléluia. Quelqu'un dise yes. Amen. C'est ça le leadership. Amen. C'est ça un Woody. Est-ce que quelqu'un. C'est ça un homme. Amen. Le leadership, c'est ça. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Savoir se tenir sur la parole de Dieu. C'est pas boxer sa femme, mais tenir sur la parole. On ira faire ce que Dieu a demandé. Écoutez, ne pas écouter son conjoint tout le temps. Deux, faites attention à la voix des prophètes. Hey, les prophètes. J'ai failli ne pas arriver en Côte d'Ivoire à cause d'un prophète qui a failli me détourner prophétiquement au Ghana et m'envoyer au Mali ou au Burkina en me proposant une maison et voiture. Heureusement que j'avais entendu le Saint-Esprit me parler. Vous voyez, le amen de ma femme, ce n'est pas le même que tout le monde. Parce qu'elle est sûre que si j'étais au Burkina, elle ne serait pas là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Vous voyez donc, donc, vous imaginez les transactions. Il y a beaucoup de choses qui se passent, parce que quoi? Dieu t'envoie à Mante, tu t'en vas à Diokwe. La femme qui t'attend à Mante, tu la rates, tu penses de Diokwe que l'autre devait retrouver. Et vous mettez des dieux dans des problèmes et des recompositions compliquées. Que cela ne soit point ta portion. Au nom suprême de Jésus, dans le meilleur des amens. Vous connaissez l'histoire du jeune et du vieux prophète, 1 Roi 13, verset 13 à 25. La Bible nous dit que ce jeune prophète, Dieu lui a dit clairement, écoute, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas boire, je t'envoie en mission, ne mange pas, ne bois pas. Alors il rencontre un vieux prophète diplômé de la prophétie, reconnu par ses pères comme étant le prophète major. Donc quand il a parlé, Dieu a parlé. Donc le jeune arrive et il lui dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit, jeune homme? Ça, il y a toujours des gens comme ça. Et Dieu m'a dit, ne pas marier, oh, reste calme. La nuit, pendant que je dormais. Oh, il dit, catapouche. Hey, yaou. Hey. Je vois, Dieu m'a dit qu'il faut que tu manges et tu bois. C'est un ange m'est apparu. Le gars allait manger et boire. Pour raccourcir l'histoire, il est mort. Mais la mort de ce gars était tragique, c'est-à-dire que pendant qu'il mangeait à table, le prophète qui l'a accueilli et qui lui a donné à manger, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Et il a prophétisé maintenant pour dire, puisque tu as désobéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu mourras. Au même instant, le gars qui a menti a prophétisé. On peut ne pas être en accord avec Dieu dans le comportement, dans la chair, et les dons de Dieu marchent toujours. Il a prophétisé. Et pour raccourcir l'histoire, le jeune prophète est mort. Tu ferais mieux de faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bien compris? Mais en association avec le timing de Dieu, écoutez la voix du Saint-Esprit. Troisième chose, attention aux voix des amis. La voix des amis. Matthieu 16, versets 21 à 23. Révérend Néné, tu peux venir un moment, s'il te plaît. Voici Pierre, et c'est moi Jésus. C'est une illustration. Et même si ce n'était pas une illustration, Pierre a bien fini. Matthieu 16, verset 29 à 23. La Bible dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem. Et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre l'ayant pris à part, de côté, parce que Pierre était l'aîné de Jésus, il le récupère de côté et dit, jeune homme, tu sais, tu es jeune, on t'aime bien, ton ministère marche, nous, on est derrière toi. Ce genre de message, il ne faut pas prêcher ça, ce n'est pas pour toi. Et donc Jésus se dégage, il dit, arrière de moi, Satan, car les pensées que tu as ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc il dit, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Donc, vous voyez, Pierre était l'ami de Jésus. Parce que Jésus avait déjà dit, je vous appelle pas, c'est lui, je vous appelle ami. Ensuite, il est celui que Jésus a choisi pour prendre la suite du ministère quand il va partir. Donc c'était son second.
C'est un homme sage. Il appelle de côté. D'abord, une bonne attitude. Il ne répond pas en public. Mais la réaction de Jésus est violente. Arrière de moi, Satan. Ça, c'était suffisant pour une crise. Parce qu'il va dire, mais logiquement, quand même, écoute, c'est pas parce que tu te prends pour qui. Moi, j'ai une femme, j'ai des enfants. Je suis ton aîné. Mon premier fils a pratiquement ton âge. J'ai laissé la pêche pour te suivre. Et toi, tu m'appelles diable? Attends, tu te prends pour qui? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais il a dit, arrière de moi, Satan. Enfin, la violence n'était pas contre Pierre, mais c'était contre celui qui instrumentalisait Pierre contre sa vie. Pourquoi? Parce que les gens qui vous entourent sont les premiers relais de la pensée de l'ennemi pour ta vie. Les gens qui t'entourent sont les premiers relais de la pensée de l'ennemi pour ta vie. Donc c'est par eux qu'il passe. Parce qu'il sait qu'à eux tu peux écouter. Donc tu dois être vigilant. Et enfin, la voix de ta chair. La voix de ta chair. Vous savez, la chair va vouloir que tu réussisses dans la vie, alors que Dieu veut que tu réussisses ta vie. La chair va vouloir que tu réussisses dans la vie. La chair veut ta réussite dans la vie. Dieu veut que tu réussisses ta vie. L'écho des voix de la chair dans ton âme, l'écho de tes ambitions dans l'âme font tellement de bruit à l'intérieur. Mais la volonté de Dieu pour toi, elle est plus discrète et silencieuse. Vous voyez, beaucoup de bruit. C'est pour ça que Jésus a dit, Matthieu 7, 24 à 27, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un venait après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il fera quoi? Il la retrouvera. Généralement, Dieu nous appelle dans des domaines où notre chair est très inconfortable. Très inconfortable. Si je demande ce matin, quels sont ceux qui veulent gagner beaucoup d'argent, qui sont appelés à gagner de l'argent, ils sont nombreux. Quels sont ceux qui vont gagner beaucoup d'âmes, qui veulent gagner beaucoup d'âmes, moins nombreux. Mais en fait, nous sommes tous appelés à gagner des âmes. Mais pas tous à gagner beaucoup d'argent. Non. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé aux affaires. Mais par convoitise, beaucoup vont dans les affaires. Et très peu répondent à l'appel suprême, celui de gagner les âmes. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, c'est notre chair. Dieu ne bénit pas ce que la chair initie. Dieu bénit ce que la chair crucifie. C'est-à-dire, ce qui est né de l'esprit, pas ce qui est né après la crucifixion de la chair. C'est ce qui est béni par Dieu. Pas ce que la chair initie. Voyez-vous? C'est très important de faire attention à ça. Et voilà, et donc, il faut faire attention. Même les dons, les talents qu'on peut avoir de Dieu ne sont pas suffisants pour manifester une gloire véritable. Il faut encore accepter de faire passer sa chair à la croix. Je termine avec ce témoignage qui me semble être vraiment important. Il y avait une jeune sœur que j'aimais beaucoup. Elle était très belle, elle était très engagée, elle était très dévouée. Nous étions un groupe de jeunes. Et on m'a laissé la cellule d'études bibliques pendant les vacances pour m'en occuper. Et ça devait durer environ 3 mois. Et donc, moi je prenais chaque début de mois 3 jours de jeûne à sec. Et je prenais un jour de jeûne par jour, par semaine, je veux dire, pour préparer la semaine. Et donc j'étais dans un élan de feu véritable quand j'arrivais à la cellule. Et chaque fois que la chœur me sentait, elle avait une voix de rossignol. Elle chantait tellement bien. Vous voyez, les gens sont contents quand elle chante. Mais quelque chose à l'intérieur de moi m'embêtait beaucoup quand elle chantait. Mais je ne savais pas quoi. Je n'étais pas à l'aise. La musique était bonne, tout était parfait. Mais quelque chose me dérangeait. Et un jour, pendant que je priais, je disais à Dieu, je ne comprends pas ce qui se passe. Dieu m'a montré quelque chose quand elle était en train de chanter. Elle a ouvert la bouche et il y a un lot d'asticots qui commençait à tomber. Et j'étais convaincu que tout le monde autour de moi voyait les asticots tomber de sa bouche. Et j'étais étonné que les gens se rendent. Les asticots tombaient véritablement de sa bouche. Une mare des asticots qui tombaient.
Et Dieu m'a montré la pourriture de sa vie spirituelle. Et comment est-ce qu'elle empoisonnait l'atmosphère par ses chants. Et plus tard, on a découvert que cette sœur était sœur le jour. Et la nuit, elle était autre chose. Elle était impliquée dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'activités contre la croix. Mais ça s'est su plus tard. Mais moi, je l'avais vu plus tôt. C'est ce qu'on appelle le discernement de l'esprit. Vous voyez, par exemple, les gens qui disent, oh, ils prêchent, et puis tout le monde saute. Mais comme les gens sont trop charnels, les gens n'ont pas la dimension de l'esprit pour capter et saisir que derrière ce message, il y a un poison diabolique derrière. Mais tu ne sais pas comment expliquer. La parole est juste, la parole est droite, mais elle n'est pas vraie. C'est la parole de Dieu, mais elle n'est pas la vérité. Parce qu'elle est sortie de la bouche qui a été polluée. À partir de ce moment, elle déverse un poison. Donc, vous voyez, la vie spirituelle, ce n'est pas simplement les choses que nous voyons. C'est davantage, plus, ce que nous sommes avec Dieu. Je veux vraiment que chacun d'entre nous, nous pouvons prier. Là où tu m'écoutes, là où à ta maison, tu puisses vraiment baisser la tête et prier devant le trône de la grâce et demander vraiment à ton Père, demander vraiment à ton Dieu de t'aider vraiment, véritablement, à avoir une vie de prière. Que ta vie soit posée sur l'autel de Dieu comme un sacrifice parfait. Que ta vie soit posée sur l'autel de Dieu comme un sacrifice parfait, comme un sacrifice agréable. Et que ta vie de prière puisse vraiment vraiment repartir à zéro. Ta vie de jeûne. Que Dieu te donne d'être sensible à la voix du Saint-Esprit, d'aimer les choses du royaume des cieux, d'affectionner les choses d'en haut, d'être passionné des choses de Dieu. Élève ta voix, parle Seigneur, élève ta voix de tout ton cœur. Demande-le sincèrement à Dieu et il te l'accordera au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais demander à une personne qui est parmi nous ce matin, pendant que nous sommes en train de prier, continuer de prier,